Et hop. Donc là, je disais, on est sur la partie herbeuse. Voilà, ici, c'est un mélange d'herbes, et de feuilles. Par contre, au niveau de la descente, on a tout balayé. On a essayé de faire en sorte que tout se passe bien, de sécuriser au maximum les lieux. Alors ici pour demain, donc la barrière sera ouverte. Et demain on fera ouvrir la barrière. Voilà, on monte. On va attaquer cette voiture-là. Troisième pâture. Donc là on va la prendre sur sa partie descendante. Hop, là, ça remonte. Donc là on va aborder la remontée du cavin. Ah, il y a Laurent qui est trébuché. Une petite partie en sous-bois, pareil, laquelle on a balayé. Voilà, et là on monte. On va monter, je vais la faire à pied. Bon, de toute façon, cette montée-là, les meilleurs les font la montée sur leur vélo. Donc là, quelques marches au cas où. Pour s'aider. Donc là, nous voilà revenus sur une nouvelle pâture. Et là, on file tout droit jusqu'à la sortie. Pareil, on a mis en place un petit rétrécissement pour casser la vitesse. Parce qu'en fait, il y a une petite marche bon, qui sera ici demain, voilà, qui sera un peu allégée pour éviter les chutes. Et là, donc, on arrive sur un chemin où les coureurs pourront souffler un peu après tous ces efforts de la première partie. Son virage à droite. Voilà, donc là. Voilà, donc là par contre on va dévier un peu sur la droite. Enfin, l'aborder là, voilà la dernière partie de technique du circuit.
Voilà, donc là il y a la montée. Pareil, les meilleurs le feront sur le vélo. Idem que les autres parties un peu plus dites dangereuses. On a balisé au maximum les racines. Sans oublier d'enlever les feuilles. Donc voilà, hop, ça descend un peu. Voilà. On vire à droite. Et on récupère un sentier.